À mon sens, la vie, c'est toute une série d'actions. Et l'action que tu vas faire est cruciale parce que soit elle t'apporte de la joie, soit elle t'apporte du contentement tout simplement éphémère et qui ne va pas glorifier la joie, qui va juste glorifier le plaisir que tu as de faire des choses. Donc tout ce que tu fais, si ça apporte de la joie, est crucial de garder cette action qui vient du cœur pour pouvoir faire en sorte que la joie se dégage de tout ce que tu proposes, de tout ce que tu vis, de tout ce que tu as l'intention de faire. De regarder, est-ce que vraiment ça va me donner de la joie? Parce que beaucoup de choses que nous faisons aujourd'hui ne nous apportent pas cela. Nous sommes dans des train-train, des répétitions. Et tout ça emmène plutôt la traditionnelle façon de vivre qui se répète tout le temps. Et la joie disparaît, même le sourire disparaît, parce que ce sont des actions faites par la mémoire de ce que le monde propose, la pensée propose cela. Et toi, tu répètes en fait toutes ces choses qui ont été déjà programmées, parce que c'est la pensée qui se répète, c'est la mémoire qui se répète. Et comme tout ça, c'est déjà programmé par tes conclusions, tes repères, tout ce que tu as pu vivre, tes expériences, ça te programme une action à faire. Et cette action, elle est mécanique, parce que en fait, elle répète tout simplement ce qui est passé. Alors que la joie de vivre, c'est quand tu es dans cet instant où il y a quelque chose d'émerveillant qui arrive. Tu en es émerveillé. La vie t'émerveille. Tout ce que tu vois t'émerveille. Et à partir de cet émerveillement-là, il y a une liberté aussi de pouvoir entrer là-dedans pour pouvoir l'explorer. La laisser être en toi. Mais nous avons quand même, pour la plupart d'entre nous, un conditionnement qui fait que nous allons dans la direction de ce que le passé propose. Donc on se propose des choses, on croit que ça va nous emmener à la joie, mais ça ne nous emmène pas à la joie, ça nous emmène au plaisir. Et le plaisir ressemble à la joie. Mais la joie n'a pas de cause, alors que le plaisir a une cause. Tu vas être heureux, si tu veux, content, parce qu'il y a eu quelque chose qui s'est passé. Parce que tu as actionné une action qui a fait que des choses puissent se mettre en mouvement pour pouvoir te donner ce plaisir. Alors que la joie n'est rien d'autre que un moment où tout coule d'une dimension extérieure à la mémoire. La mémoire, elle est là, mais la mémoire, c'est aussi le temps. Et en dehors de ce temps-là, il existe quelque chose qui va couler. Et c'est ça, la joie de vivre. Quand il n'y a rien qui vient du passé, du futur ou du présent dans lequel tu vis là maintenant, il y a juste la vie qui coule. Et cette vie qui coule, elle est instantanée. Elle n'a pas de temps dedans. Elle est informe. Elle est celle qui est connectée à ton être et qui fait que ton être vibre d'une certaine manière qui fait que tu es entièrement présent. Tu es là avec tout ce qui se passe. Et dans tout ce qui se passe, il y a tout, tout qui est à vivre. Et la vie, c'est ça, c'est vivre ce qui est bon, ce qui n'est pas bon. Mais tout ça dans l'amour, dans la joie, parce que en fait, ce qui se vit, c'est la joie d'être là, présent, avec tout ce qui se passe. Et peu importe comment ça se passe, en bien ou en mal, en agréable ou en désagréable, c'est de rester présent avec cette joie d'être
là, dans cette présence, pour pouvoir vivre ce qu'il y a à vivre. Parce que tout est à vivre. Tu ne peux pas dire j'aime ça plutôt que ça. Alors là, tu retombes dans le plaisir, puisque le plaisir va te donner le choix. Je préfère être dans l'agréable que d'être dans le désagréable. Et là, en fait, tu compares la vie, tu la sépares en deux, tu crées la rivalité, tu crées la dualité, et tu veux seulement ce qui est agréable. Donc nous sommes toujours en train de vouloir prendre ce qui est agréable, parce que la vie elle-même, elle est tumultueuse. Et donc, si tu subis ce qui est tumultueux, ça veut dire que tu es entré dans une dimension où il y a quelque chose qui veut. C'est-à-dire, tu veux avoir ce plaisir instantané pour ne pas être en face de ce qu'il y a pour de vrai. Parce que ce qu'il y a, ça dérange. Ça dérange la zone de confort que tu peux te constituer. Et cette zone de confort te donne ce plaisir, ce réconfort. Ce réconfort que tu puisses être protégé du désagréable. Mais quand tu te protèges du désagréable, alors tu es dans le reniement de ce qui se passe pour de vrai, alors que la vie, elle est tout. La seule chose qui est là, c'est quelque chose que tu ne peux pas dissocier, c'est quelque chose qui est entier. La vie n'est pas dissociable. Donc, le fait de comparer, le fait de ne pas vouloir voir ce qu'il y a pour de vrai, fait de toi quelqu'un qui poursuit ce qui est agréable. Tu poursuis un contentement qui n'a jamais de concrétisation. Tu ne concrétises jamais cela parce que tu es tout le temps en train d'espérer que ça va se passer. Mais ça ne se passe pas. Parce que ce que tu as là, c'est tout simplement quelque chose que tu as comparé et que tu as projeté dans l'espoir pour faire en sorte que ça existe. Mais ce que tu es pour de vrai, c'est le tout. Alors tu ne peux pas diviser. Et si tu divises, c'est une illusion. Tu crées de l'illusion pour pouvoir faire en sorte que tu puisses être dans l'agréable, c'est-à-dire l'éphémère, l'apparence. Tout ça, c'est éphémère. C'est pas toi. Donc, la vie, elle est à vivre en entier. Agréable ou pas agréable. Mais quand tu le vis en entier, tu es celui qui voit le tout. Et le tout, en fait, ne t'impacte pas puisque tu es celui qui vit joyeusement tout ça. Tu accueilles tout. Et il y a une grande joie d'accueillir la vie telle qu'elle est. Et on ne peut pas dire que la vie, elle est bien ou pas bien. Elle est juste ce qu'elle est. Et parce que c'est quand tu commences à dire que la vie, elle est bien ou elle n'est pas bien, eh bien, qu'il y a la mémoire de tout ce qui s'est passé, celle qui t'a donné du plaisir ou pas, l'agréable et le désagréable, le bien et le mal. Quand tu es en train de penser à ça, alors tu divises, ton esprit est divisé entre les deux. Et là, on est en train de dire que la vie qui coule, c'est une présence que tu as, qui est là, et qui vit tout ça avec une grande joie, mais elle vit tout, elle vit tout. Mais comme c'est une présence qui n'est pas identifiée à ce qui se passe, alors il n'y a personne qui subit. La vie, elle fait en sorte que tout se passe avec joie, avec amour. Et en fait, tout se remet dans un ordre parfait. Il y a là une intelligence parfaite parce que tu sais gérer. La vie sait gérer. Tu sais faire l'action qui en elle ne comporte pas de heurts, de quelque chose qui va être en friction. Il n'y a pas de dualité. Tu es en train de tout embrasser. Parce que toutes les différences ne sont pas dans ton champ de vision, elles sont toutes accordées pour que tu puisses le voir au-dessus de tout ce qui se passe. C'est-à-dire, tu regardes la vie telle qu'elle est, sans dire que c'est bien et c'est pas bien. Donc, tu vois tout l'aspect de ce que la vie, elle est. Et c'est ce regard bienveillant, c'est ce regard qui est le témoin de ce qui se joue, qui fait que
tu puisses vivre tout ça avec une paix paisible, parce que tu es celui qui ne joue pas dans la scène, tu es celui qui est l'observateur de tout ça. Donc, être observateur, ça veut dire aimer tout, aimer ce qui se passe, que ce soit gentil, vilain, gros, maigre, tout ça. Tu acceptes tout comme c'est et tu ne joues pas avec. Tu es celui qui voit. Et celui qui voit, il met une touche d'amour dedans parce que il est l'ordre. L'amour est l'ordre. Ce que tu es à ce moment-là est ordonné. Tu fais en sorte que tout se passe en accord avec ce que la vie pourvoit. Et la vie pourvoit l'ordre, l'harmonie, la joie, la paix, la tranquillité. Et si tout le monde aspire à ça, il n'y a plus de problème. Dans les relations, il n'y a plus de problème. Parce que tout le monde va aimer, tout le monde va être l'observateur, tout le monde va être cette intelligence. Mais ça commence toujours par soi. N'attends pas que quelqu'un va le faire. Parce que pour la plupart, nous ne savons pas le faire. Ce regard observateur, il n'est pas dans la traditionnelle façon de vivre. Au contraire, on n'a pas le regard observateur, on a le regard accusateur. On compare, on juge. Et il s'agit là de sortir de ce jugement, de comparer, de disséquer, de dualiser les choses, de idéaliser les choses. Non, tu restes avec la réalité. Et cette réalité, c'est ce qu'il y a. Il y a le bien, le mal, le bon, le vilain, le gentil, le gros, le gras, toute cette différence. Mais comme tu ne divises pas tout ça, alors tu vois tout ça à partir d'un œil entier et tu attrapes tout et tu embrasses le tout. Tu ne peux pas le séparer. Tu attrapes la personne en face de toi avec tout ce qu'elle est, qu'elle soit américaine, gentille, vilain, assassin, criminel. C'est une personne à part entière qui est ce qu'elle est. Et si tu ne l'acceptes pas, alors tu vas la rejeter et la chose va s'empirer parce que tu vas la rejeter, alors elle va ne plus être en confiance avec toi. Et en fait, la plupart d'entre nous, c'est ce qu'on vit. On vit des vies de séparation les uns avec les autres. On se méfie et on se crée des ennemis. Parce que l'autre est rejeté, l'autre n'est pas accueilli dans ta vie. Parce que tu as peur. Tu as peur que tu seras détruit. Parce que qui c'est qui sera détruit? Ben c'est ton personnage, c'est celui qui s'est fait une conclusion, c'est celui qui a des conclusions, c'est celui qui dit j'aime à condition que. Et tu sais très bien que l'amour est sans condition. Mais si tu dis l'amour, je t'aime à condition que, il y aura des problèmes parce que tu vas choisir parmi tout ce qui est entier. Tu vas choisir parmi tout ça quelque chose que tu vas extraire de l'entièreté pour pouvoir en faire tien, pour pouvoir l'aimer. Et là, tu divises et tu n'es plus présent avec le tout. Tu n'es plus cet observateur qui voit tout. Tu es quelqu'un qui est limité avec ce que tu as gagné pour pouvoir te faire plaisir.